Accueillir un jeune artiste comme Mathias, c'est le sens de notre travail, mais c'est une vraie coopération avec l'artiste et une vraie coopération avec son papa aussi. Voilà, donc c'est un espace public rendu à la possibilité de montrer un travail de grande qualité. J'ai été moi beaucoup touché par la sensibilité qu'il y a dans les travaux de Mathias, dans l'émotion qui peut sortir. Alors il a voulu tout mettre, donc vous devez faire comme ça pour regarder un tableau à la fois. Si vous voulez vivre une émotion à la fois, vous pouvez en vivre plusieurs à la fois, mais c'est plus complexe. Voilà, dire que ça fait pleinement sens dans notre travail de centre culturel de rendre de l'espace public à des gens qui n'en payent pas encore, mais qui en payent, mais qui paieront bientôt des impôts, puisque c'est avec vos impôts qu'on travaille. Voilà, dire que Mathias est chez lui pendant 3 semaines, et si vous êtes touché par son travail, ben, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts, enfin surtout Didier est ouvert le matin, de 8h30 jusqu'à 4h, et donc qui veut bien. Je ne sais pas ce qu'il ouvre pendant les week-ends. Il faut voir. Il faut voir. Ça fait un an et demi que nous communiquons et je résumerai les choses donc, de travailler avec Mathias par « il faut voir ». Ce qui est bien, pas de certitude. Voilà. Eh bien, je pense qu'il y a un petit verre de l'amitié. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes chez vous. Voilà. Merci. Allez, un peu d'impro. Comment c'est, merci d'être là, d'être tous là, les amis, les gens que je ne connaissais pas, la famille, ça fait plaisir de pouvoir enfin concrétiser mon travail, pour enfin exposer mes dessins, pour en exprimer au final, mettre mes dessins en valeur. Et bonne soirée.